Un des nombreux inconvénients d'une relation à distance est que sans proximité, nous ne pouvons pas voir le comportement dans divers contextes. Il peut être merveilleux sur FaceTime, sur X, de discuter. Mais comment, dans la vie courante, cette personne traite-t-il la serveuse au restaurant? Comment cette personne qui est à l'autre bout, à distance du fil, réagit-elle lorsqu'elle est en colère dans une situation où elle n'est pas en ligne? Qu'est-ce qui la met en colère? Quelle est, lorsqu'elle est hors ligne, sa façon de voir la vie? Comment réagit-elle dans des situations difficiles? Comment interagit-elle avec les membres de sa famille? Certains aspects importants d'une relation ne peuvent tout simplement pas être connus sans passer du temps en présence de quelqu'un et non en ligne.